salut les amis. Alors c'est Philflow321 et c'est parti pour un nouveau let's play sur This War of Mine, The Little Ones. Alors ça c'est un jeu qui était gratuit le mois dernier. Alors il avait l'air d'être vraiment pas mal, alors je l'ai téléchargé. On y va alors, c'est parti. Survivre. Il y a une différence ou pas? D'où? Ouais, je sais pas trop s'il y a vraiment une différence. Ça, ça doit être le générique. Ouais, ça c'est le générique. Ça c'est pour les manettes. Je pense qu'ils vont expliquer ce qu'il faut faire. Bon, là on y va. Est-ce que ça va être chaque jour, ça va être un niveau ou alors ça va être en plusieurs parties? Franchement, ça fait pas mal, hein. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un jeu de zombies qui était comme ça. En fait, c'était un jeu de plateforme vu du côté à l'ancienne. C'était vraiment pas mal aussi. Alors, lorsque la guerre civile a éclaté, la plupart pensaient qu'elle ne durerait que quelques semaines. L'armée gouvernementale a mis des années avant d'encercler les rebelles dans la capitale, coupant toutes les voies d'approvisionnement. Piégée en ville, la population civile subit la famine, la maladie et les bombardements. Katia a rencontré Pavel et Bruno avant la guerre. Elle était journaliste et Bruno animait sa propre émission télévisée de cuisine. Pavel était la star d'une équipe de football locale et elle l'avait interviewé une fois. Les voilà réunis dans des circonstances radicalement différentes à la recherche de nourriture et d'un refuge. Nos affaires. Réflexion. Notre refuge n'est qu'une ruine affreuse. Nous devrions faire quelque chose à ce sujet. Nous n'avons qu'une seule chaise. Nous manquons de lit. Nous devons dormir par terre. Il est difficile de bien dormir sur du béton dur et froid. L'état de ceux qui sont malades ou blessés pourrait empirer de façon radicale. Nous n'avons pas de radio, nous ignorons ce qui se passe en ville. Nous manquons vraiment de livres. Un bon livre pourrait nous aider à oublier les horreurs de la guerre. Rester ici ne vaut à peine mieux que la vie dans la rue. Nous manquons de café et de cigarettes. Il y a des trous dans nos murs. Notre refuge n'est pas sûr. Nous devons rester sur nos gardes en permanence. Pourront terminer la journée. Ok. Au moins il fait chaud. «
Ah ok, alors là on peut fabriquer des objets. Que fabriquer amélioration. Ok, bah pour l'instant on peut rien faire les amis. Ah ouais voilà, on peut descendre aussi. Ah ouais, faut des outils, d'accord. Ah, on peut fouiller et tout. J'aurais dû faire un truc où on peut appuyer rapidement pour que ça fasse plus vite. Ah, ça fait vraiment bien ça, les graphismes en crayon comme ça. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup, je dirais même. En fait, on se croirait dans une bande dessinée. J'espère qu'on finira par trouver une belle quand même, parce que ce serait mieux. D'accord, alors autant de temps et ça pour rien trouver. Ah, il y a une porte là, on va ouvrir. Cette porte est verrouillée. On peut même voir les biographies des gens. Alors, compétences de marchandage. Bois du café, c'est ça qui a marqué. Bois du café. Alors j'ai grandi dans cette ville, mais j'ai étudié à l'étranger et ensuite j'ai travaillé comme journaliste. J'ai longtemps été absente lorsque les problèmes ont provoqué une guerre. J'ai été choisi pour couvrir l'affaire. Je me serais porté volontaire de toute façon. J'étais tellement inquiète pour mes parents. Malheureusement, c'était trop tard. J'ai trouvé ma maison en ruine et ma famille avait disparu. Je la cherche depuis. Bon, alors on va sortir tout à l'heure, hein. Oh, j'espère vraiment que j'ai trouvé une pelle parce que là, voilà. On dirait qu'il fait chaud parce que là, 22 degrés Celsius.
Pourquoi on peut pas parler aux gens? On peut même aller voir dehors. Ouais. Mais... Ah ouais, on peut aller plus loin en fait. Ah par contre, je peux pas aller plus loin. Ah ça, j'ai déjà fait. Bon, vas-y, on va aller voir ça. Nos affaires. Herbes. Ah, j'ai trouvé une herbe. L'herbe. Diverses herbes permettant de confectionner à des médicaments à base de plantes et des cigarettes roulées. Objet de base. Prendre, tout prendre. Pièces. Diverses pièces mécaniques permettent de créer et réparer des appareils complexes. Sucre. Il est impossible de faire de l'alcool de contrebande sans sucre. Il est indispensable au processus de fermentation. Pièces électriques. Des pièces électriques, elles pourraient nous servir pour apporter des améliorations avancées à notre refuge. Ok, bon, on prend tout, les gars. Allez, c'est parti. On peut prendre plein de trucs. Bon, bah, les herbes, ça c'est bon. Outil de crochetage. Il est à usage unique, mais il crochète les serrures rapidement et sans bruit. Diverses composants permettant de faire à peu près tout des clous, du ruban adhésif en toile, des récipients en plastique, de la ferraille et d'autres choses du même genre. Eau propre, de l'eau relativement propre. Vous en aurez besoin pour réparer un bon pour préparer un bon repas ou pour faire de l'alcool. Bois, un composant essentiel pour fabriquer tout un tas de choses. Nous pouvons également le couper pour l'utiliser comme combustible pour les poêles et chauffage. Aliments crus, ils sont mangeables, mais seraient plus nourrissants après cuisson. Ah ouais, d'accord, on peut changer de personnage alors. Cottage abandonné. Une famille s'est barricadée dans cette maison, mais les pilleurs ont réussi à entrer malgré leurs efforts. Elle est restée abandonnée depuis
Nous y trouverons peut-être quelque chose que les pilleurs ont oublié ou laissé derrière eux. Beaucoup de nourriture, quantité énorme de matériaux, quelques médicaments, beaucoup d'armes, beaucoup de pièces. Pourquoi faut réparer? Préparer? Ah ouais, d'accord. Ah, je peux pas prendre plus que 4 à... Bon, ça, je le mets là. Ah ouais. Ah non, mais si j'aurais su, sérieux. Bruno, bon cuisinier, fume. Avant la guerre, je tenais un restaurant. J'avais même ma propre émission de télévision, La cuisine de Bruno. Vous l'avez vu? J'en suis sûr. J'ai visité des endroits magnifiques dans lesquels j'ai été filmé en train de cuisiner des plats délicieux. Tout cela semble sans importance à présent. Vous ne trouvez pas? De nos jours, on peut s'estimer heureux quand on tombe sur une conserve de viande ou un sac de riz. Et qui sait combien de temps cette guerre va durer? Ah, mais là, si j'aurais su, purée, j'aurais rien pris. Mais je préfère revenir parce que là... J'espère que je pourrai revenir quand même. Ah mais jour 2. Ah ouais, d'accord. Bon bah là c'est la fin du premier jour, alors bah on se retrouve au prochain épisode. Alors à la prochaine, salut!